L'agate, ce minéral chéri par Roger Caillois. Son nom provient du fleuve Acatès, qui se trouve en Sicile près de Sélinonte. C'est là que les Grecs anciens ramassaient cette magnifique pierre. C'est une variété fine de chalcédoine qui est composée de quartz. Si tous les échantillons présentés ici présentent leur teinte naturelle, la porosité de l'agate permet des colorations. Avec le ferrocyanure et le sulfate de chrome, on obtiendra ainsi des teintes violettes, jaunes, bleues, telles qu'on peut en trouver parfois dans le commerce. Autant conserver la beauté à l'état pur lorsqu'on observe les agates non colorées. C'est aussi un minéral d'une grande dureté. Cette dureté qui permet de fabriquer des mortiers dans lesquels on pourra broyer les minéraux les plus durs.